Hey, salut à toutes et à tous, ici The Tribal Rider, vous m'appelez Tribal, et bienvenue dans l'épisode 48 sur Immortal Phoenix Rising. Alors, dernière fois, on voulait aller se faire la fosse de combat d'Achille, et il était où? Et l'arène de légende. Donc je pense que c'est ce qu'on va aller faire, et si on a un peu le temps, bon bah on ira bien évidemment aller explorer la région d'Athéna. Mais, hop, allez, c'est parti pour la fosse de combat d'Achille. Oh là là, difficulté maximale. Ouvrir le coffre. Ouais. Ah, c'est la fosse du combat d'Achille où il faut ouvrir le coffre. Très bien. T'as un coffre là. Un autre là-bas. Et là, c'est... Ok. Ah, ok, d'accord, c'est bon. J'ai... C'est ça. Ok, c'est bien ça. Et bon, on va se marrer. Hein. Mais tourne, tourne, tourne. Putain, et pour tourner, c'est chaud. Ah là, là, tu viens à droite. Bim. Oh, ça va être chaud. Je pense que là où on va plus se marrer, c'est avec le jeu en lui-même, en fait. Je sais pas s'ils l'ont bien fait, hein. J'ai peur que ça soit pas vraiment le cas. Je pense que là il faut utiliser juste celui-là. Yes, c'est bon. Il faut bien viser parce que sinon ça part cacahuète. Là, normalement, il va taper ici. Voilà, calme-toi. Oh putain. Ok. Oh punaise. Ah.
Bon, t'aurais pu au moins te mettre, hein. Alors ça, c'est tout bonnement le jeu. Ladies and gentlemen, c'est tout simplement le jeu qui a merdé. Mais tout simplement. Parce que je m'étais mis sur la rambarde, j'ai appuyé une fois sur ce putain de bouton, et le jeu, bien évidemment, je sais pas comment il s'appelle, c'est le connard. Ben voilà. Je pense que ce jeu a été mal fait, quoi. Putain! Mais c'est un truc tout con, mais c'est un truc, franchement, ça devrait même pas exister, quoi. Techniquement, t'as fait ce qu'il fallait dans ton putain de jeu vidéo de merde. T'es censé avoir une double action, vu que t'appuies qu'une seule fois sur ce putain de bouton de merde. Ah, ça me dégoûte les jeux comme ça, quoi. Qu'est-ce que... Voilà, là j'ai un double saut, et là il l'a pas voulu. Pourquoi? Parce que ça a été encodé encore par des putains d'abrutis, voilà pourquoi. Voilà. Automatiquement, elle me fait un double saut. Alors que j'ai rien demandé. Wow. Non, oui, non, mais c'est... Vaut mieux le mettre sur le côté, en fait. Voilà. Ah d'accord, la bobo elle a disparu. Parce que reason? Parce que... Parce que c'était le week-end et qu'il fallait qu'on se dépêche? Je sais pas. Et du coup, pourquoi elle n'était pas restée?
Ouais, tiens. D'accord, donc en fin de compte, je pensais qu'il y avait un trou entre les deux. Pas du tout! Donc en gros, faut mettre un coup de marteau entre les deux, quoi. Ok, ok. Et donc du coup, pourquoi elle avait disparu la première fois? D'accord. Voilà ce qu'il faut les faire en fait. Et alors. Bon, j'aurais bien t'avoué que j'aurais préféré autre chose, mais. Ah mais je suis vraiment trop con. Oui. La réponse est oui. Ah non, là, là, oulala. Voilà. D'accord. Ah, d'accord. Excusez-moi, j'avais pas encore bien mis votre truc à la con. My fucking bad. D'accord. D'accord, donc c'est l'autre. Voilà. Mais qui t'aime ? Personne, je dis bien absolument personne, lui a demandé de faire ça. Personne. Moi, la seule chose. La seule chose que je lui ai demandé, c'est de faire un double saut. Personne, je dis bien personne, lui a demandé de sortir ses ailes, là, cette connasse. C'est... J'ai jamais vu ça de ma vie, en fait. Il s'est passé quoi pendant le développement, les gars? Il y a eu du crunch?
Vous aviez la flemme? Dans ce cas-là, pourquoi c'est le consommateur qui l'a dans le cul après? C'est bon? Je pense en fait que ça vient surtout par rapport au fait que bah, c'est exactement le même moteur graphique que Assassin's Creed Odyssey. Sauf que le problème c'est que le moteur d'Assassin's Creed Odyssey il est créé pour Odyssey, il n'est pas créé pour un Zelda-like. Donc forcément, bah, y a des trucs qui collent pas quand tu essaies de lui faire faire autre chose, quoi. Il était sympa, mais comme je vous l'avais dit dès l'entrée de jeu, quoi, c'est... Ah, salut. Récupérer le mon personnage s'il vous plaît. Merci. Je suis pas dedans. Je suis vraiment pas dedans. Mais... Putain, lâche! T'es bloqué. Elle est bloquée. Au secours. Nom de Dieu. Aïe. Non, mais je suis désolé, mais je peux pas. Ah, je l'ai pas. J'ai pas été la chercher?
La tâche d'Héraclès. Ouh. Ça aussi, ça a l'air sympatoche. Normalement, je suis pas encore en combat, donc je peux encore me barrer. Il y a un défi constellation à faire aussi. Oh là là. Il y avait les grenades aussi. Pikachmon, c'est clap légendaire. Je sais pas si c'est une bonne idée. Voilà, t'es dans les airs, tu peux rien faire. T'es dans les airs, tu peux rien faire. T'es au bord de la colline, tu peux rien faire. Ah merde! Hein? Tu peux me le lock? Merci! Putain! Aïe 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 aïe. Trop gourmand. Merci. Putain, elle t'appuie 15 fois sur la même touche, il se passe rien au bout d'un moment, c'est chiant en fait. Il a l'air stylé en bleu. Ok, donc il était là.
Cage de Sisyphe. De Sisyphe. J'ai déjà entendu parler de ça, mais je sais plus c'est qui Sisyphe. Alright, ça c'est bon. Putain, j'ai les cheveux, ouais. Non, c'est pas ça, c'est pas. Pas du tout ça. Pas du tout ça. Tu peux retourner au sol s'il te plaît, parce que en l'air tu es juste. Bah, tu sers à rien en fait. Les esquives, tu peux en faire plus. Non. De base quoi. Tu viens de défoncer ton pote toi. Ouais, d'accord. C'est bon. Vous voyez, c'est très joli, hein. J'ai kiffé le faire dans le mur. C'est bon? J'espère qu'il faut pas les faire dans un certain ordre. C'est que t'es tellement gratuit dans les airs. Ils t'ont mis une option de pouvoir aller dans les airs, etc. Mais tu sens que ça n'a pas été fait pour. Allez, moi je vais arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter celui-ci comme d'habitude, toujours pour savoir votre ressenti. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne louper de nos aventures. En attendant, je vous fais des petits bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.